Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour la mission 5 avec l'histoire d'Athènes ou à travers l'Athènes à travers les âges, pardon. Donc on avait réussi à s'emparer de la ville de Sardes et de Délos que les Perses voulaient envahir. On a récupéré Délos pour nous, qui est notre vassal. Mais Sardes est perdu malheureusement. Et là aujourd'hui on va faire une nouvelle mission de colonie, donc c'est la deuxième. Après Amphipolis en Thrace, l'Orient. Donc c'est dans les îles grecques ici. J'ai oublié le nom, je ne sais pas si c'est les Cyclades ou autre. Vous me direz dans les commentaires si vous vous souvenez. Et c'est une terre qui est riche pour ses gisements d'argent et peut-être de bronze aussi. Donc je pense que l'Orient est reconnu pour ses mines. Et je pense qu'elle avait une importance assez stratégique pour la guerre du Péloponnèse, si je me souviens bien, pour Athènes. Il me semble qu'il y avait une histoire aussi que Délos contenait le trésor d'Athènes et de ses alliés, je crois. La fameuse ligue de Délos. Du coup, on va lancer la mission. Fonder une cité ici ne pourra que profiter à Athènes. On y trouve du minerai d'argent en abondance pour frapper les drachmes dont Athènes a besoin pour prospérer. Vivre dans une contrée aussi hospitalière ne sera pas de tout repos cependant. Ok, donc les mines d'argent. Objectif, trésor 7500, donc on est large pour le moment. Profit annuel 1500, donc ok, il va falloir vendre. Et on a 8 lingots de bronze pour la cité mère. Je pense que c'est faisable, donc si on vend déjà 8 lingots de bronze, 8 x 110, ça fait 880. Et si on peut faire des sculptures derrière, on les revend et voilà quoi. Allez. Ou nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce terrain? Wow. C'est très petit. C'est moche. Oui, c'est moche, je l'assume. Alors je sais pas comment je vais faire mon opération, donc on a du minerai ici, ok. Ouais, donc là ça va être un... Il va falloir jouer collé serré si je comprends bien. Je vais essayer ça. A mon avis on va pas pouvoir faire des grandes villes comme on le souhaite. Et on a le bronze qui est là, ok. Si je fais ça déjà, ça fait combien de logements? Je peux déjà en mettre 8 comme ça. Écoute, on va faire comme ça en attendant. Est-ce que je peux arriver à raser ça? Non. Donc ça me fait 8, 7, ok, bon. Bon, ça va être compliqué à mon avis cette mission. Il va falloir à mon avis gérer des imports-exports. Et une bonne place aussi. Alors attends. Je vais remonter d'un cran tout ça. Hop. Ah ouais. Je comprends pourquoi cette mission elle peut être considérée comme difficile. Elle paraît simple économiquement parlant, mais en termes de technique, ça va demander du haut level. Super. Ok. Bon, je vais tenter ça. 4, 7, 7, ok. Je vais en mettre 5 de chaque côté. Je vais en remettre 5 là. D'accord, on va déjà faire ça. On va mettre un grenier derrière. Et une nouvelle maintenance. D'accord. C'est parti. Et je vais essayer de même mettre un peu d'esthétique. Ah, chouette. On est très restreint niveau esthétique dans cette mission. Voilà. J'ai déjà fait des petits carrés comme ça. On va calmer un petit peu tout le monde. Hop, voilà. C'est très très bien. On a 100 personnes qui arrivent. Combien avons-nous de chômage? On a 61% de chômage. Ok. Donc je vais commencer aussi à construire un palais. Le palais, je vais le mettre au milieu. Je vais rajouter une autre maintenance. Et je vais commencer à construire des industries de bronze. Et un entrepôt avec. Voilà. On a besoin de beaucoup d'ouvriers. 25. Attends. Décliner. Accepter. Accepter. Décliner. Accepter. Accepter. Accepter le bronze, on en a besoin, et décliner pour la laine. Voilà. Bon. Je sens que ça a été une mission assez pourrie. Ici, qu'est-ce que je vais mettre de la laine au cas où? Donc là, les trois objectifs, on a déjà
Un qui est fait largement, et le deuxième, c'est les 8 lingots. Regardez qui nous achète du bronze. Knossos vend du bois, là on achète du marbre. Attends. Achète sculpture, mais est-ce qu'on peut faire des... Eh bien non. Eh ben non. Bon, on va faire une épicière ici. Je vais rajouter peut-être une maison de chaque côté. De l'eau. Je vais aussi faire un hôpital là. Et... Alors, collège. Podium. Là, je pense que toi, je pourrais aller plus loin dans ce scénario. Il faut encore combien d'ouvriers. Ça, on a encore du chômage. Ok. Il y a eu un goût de bronze réservé. C'est parfait. Bon, on a fait deux des trois objectifs. Mais par contre, il faut trouver quelqu'un qui achète du bronze. Et ça, c'est pas gagné. Athènes, non. Corinthe, non. Platé achète de la sculpture. Délos achète du marbre. Je vais voir avec qui je peux commercer déjà. Avec beaucoup de monde apparemment. Et là je vais faire aussi un autre entrepôt pour peut-être recueillir le marbre, tiens. Alors je vais voir qui c'est qui achète du marbre. Athènes en achète 12. Donc 12 x 84, 12 x 89, 160, 8 x 4, 32, 960, ça fait 900, ça suffit pas. Donc il faudra un poste pour Athènes. Et peut-être pour... Alors, comment il s'appelle? Ils vendent de tout, ça c'est cool. Ça c'est un rival, ok. Et pour Olympie, bah déjà, on va faire un poste de commerce avec Olympie. Tout simplement parce que eux, ils ont besoin de beaucoup de marbre. Donc, je vais demander des dons de mes collègues. Ah non, j'ai pas assez. Ah merde. Bon, on va devoir attendre que l'année s'écoule. 500 personnes, c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être fonder quand même quelques ateliers de monnayage. Est-ce que j'ai l'espace? C'est ça la question. Peut-être qu'il me fait un don de laine, ok. 16 dons de marbre, du poisson, des dragues, du marbre, du poisson, encore des lingots de bronze et des chevaux de laine. Là, je vais plutôt transférer la laine. Je vais vider ça et je vais. Alors, videz-moi ça déjà. Et videz ça. Le bronze, on accède bien sûr. Mais il va falloir faire une route pour arriver jusqu'ici. Et hop, voilà. Parfait. Là, on fait une route aussi. Et je commence à vendre le marbre. Et je demande si je peux lever quelques impôts. Ça peut être utile. Ça fait rentrer, ça rentre dans l'économie, vous me direz. Ouais, c'est pas mal. Faire un bon bronze à qui il faut. L'Égypte, je peux rien faire à cette mission. Du bronze. Donc je vais faire un don de bronze à eux. Voilà. Alors je fais un profit de combien? C'est pour quoi déterminer, hein. Je vais demander à qui du marbre là-bas. Faire un don de... Non. Attends. Faudrait que je demande de Athènes, qu'est-ce qu'il peut me donner. Je vais peut-être demander de la nourriture à... Comment il s'appelle? À eux, là, ils vont peut-être bien me dépanner. Bon, 24 x 84. Alors, 20 x 84, 140 600. Normalement, on a fait profit juste. Donc là, il faut juste attendre le passage de fin d'année. Et je vais peut-être quand même faire quelques fonderies. Quelques ateliers de moyen âge en tout.
ça pourrait nous être très utile. Du poisson. Alors, c'est parti. Il me faudra aussi un descendre et sauvegarder quand même, on sait jamais. Pause. Je pense que le scénario pour moi est terminé, à moins que j'ai loupé quelque chose. Ah, j'ai raté mon coup, dommage. J'ai fait un profit de combien? Ah ouais, 839 seulement. Ah ouais. C'est un fait, les amis. Après, il faut un peu plus de main d'œuvre. Je vais essayer de développer le parc. Donc, à mon avis, il va falloir bien spammer les ateliers de monnayage, j'ai l'impression. Non, là, t'exagères. On en rajoute une, ça suffit, je pense. Et bah, là aussi, on pourrait rajouter quelque chose. Hop. On va acheter. Est-ce qu'on peut acheter des choses ici? Non. Par contre, je vais essayer d'acheter du d'Athènes, de la nourriture. Hop. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à part les ateliers de ménage? Économiquement parlant, comment on se place? On a plein de bronze et on peut. Ce qui m'énerve, c'est qu'on peut pas le convertir, ça sert à rien. Bon. Je vais quand même faire un don de bronze à Athènes et ça nous libérera de la place. Ou alors je suis un peu plus con. Je détruis deux des. Et je les reconvertis en fonderie. Les mines de l'Orion offrent à Athènes l'assise économique dont elle a si grand besoin. Ok, bon, on a réussi notre opération cette fois, donc ça a pris 2 ans, c'était plutôt rapide. Le scénario est assez compliqué avec la gestion d'espace et autres. Bon, par chance, normalement je me souviens qu'il y avait un trouble en terre, mais on l'a pas eu. Mais bon, au moins ce scénario est terminé, c'est le plus chiant. Et voilà. Donc je vous laisse là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.